Bonjour à tous, hein, bienvenue sur les bons services. Un petit conseil, pour le frein à main d'une Citroën C3, pour ma Citroën C3, le frein à main a lâché, mais je ne sais pas si c'est le câble ou si c'est dû au manche. Donc après j'ai une petite astuce pour vous, je vais vous faire montrer. Voilà, le frein à main, il va dans le vide, je vais vous faire montrer. Voilà, il tire dans le vide. Donc, on dirait que j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'accroche. Donc, il y a, quand vous n'avez plus d'accroche, ça ne sert à rien d'aller chez le mécano. Hein. Ah, je vais enlever le début de ma richesse. Hein. Il y a une petite encoche ici. Vous la retirez avec un tournevis. Hein. N'hésitez pas à forcer. Hein. Parce que moi, j'ai galéré. Et il faudra retirer ça également. Voilà, ça c'est assez facile à retirer. Là, j'ai mon câble. C'est même pas le câble. Hein. Voilà, il est juste. Vous voyez? Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Il y a une accroche de ce côté-là. Elle est dessus. Et de l'autre côté, elle n'y est plus. Et le câble, il est juste derrière. Voilà, c'est celui-là. Le petit câble qui va dans le vide, celui-là, eh bien, faut que je relève et que je l'accroche sur la mâchoire. Je vais vous faire montrer, je vais enlever le cache assez rapidement hein, pour vous voyez à peu près. Voilà, je me suis mis derrière, donc je viens ici avec un tournevis et voilà, j'ai enlevé le capuchon. Désolé pour la musique, hein. Je vais l'éteindre. Hein. Donc voilà, il y a ce tournevis. Donc voilà, il me faut une clé à pipe hein, pour dévisser, pour relever le cache hein, en plastique, le retirer. Donc juste une clé à pipe. Voilà, pour info, c'est une clé de 13. Hein. Une clé à pipe de 13. Donc j'ai la chance d'avoir ça. C'est pas tout le temps évident et je dévisse. Voilà, c'est dévissé, là je peux lever le cache pour accéder en dessous. Voilà, tranquillement. Ce qui va me permettre d'accéder le câble défaillant en dessous. Je vais vous le faire montrer. Là vous allez le voir. Voilà, vous voyez le câble qui est pas rentré dans son logement. C'est ce petit câble là, c'est quelque chose de vraiment anodin, c'est juste ça, et là je vais pouvoir le remettre dans son logement, normalement dans la coche. C'est pas évident avec le téléphone et... Et hop, logiquement, quand je vais pouvoir tirer, je vais enlever ma montre, hein, elle gêne pour que je puisse accéder tranquillement au câble. Voilà, parce que c'est pas une montre, j'ai besoin de courir tout à l'heure, donc il me la faut. Voilà, c'est pas évident, mais il y a juste à tirer logiquement. Et voilà, vous voyez, je l'ai mis dans la coche. C'est quelque chose de simple là sur la C3. Il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. Ah, il fonctionne mon frein. Hein. C'est juste ça. Vous voyez, il y a ces deux encoches. Il suffit de regarder. Ça prend 30 secondes et la manip elle est faite. Hein. Il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, c'était un conseil. Conseil pas cher. C'était un conseil pas cher, même gratuit. Donc voilà, c'est pour le frein à main d'une Citroën C3 année 2003. Voilà les amis, après pour le montage, hein, c'est assez rapide. Non. La vis, là, je l'ai laissé dedans. Il y a juste à la baisser. Voilà. Il y a juste à la baisser.
c'est tout à la remise dans son cache. Voilà. Revisser. Bon, dans ce cas-là, moi, ça me fait chier de le revisser parce que si le câble lâche, mais bon, on va quand même le visser un peu. Voilà, ça, c'est une clé. Voilà. Je revisse. Le montage assez rapide. Hein. On essaie d'être court. Voilà. Bon, je le visse pas totalement parce que peut-être que si ça se reproduit, je peux le lever avec mes doigts. Si j'ai pas la clé, vous remettez le cache. Le cache en plastique là, qui était là. Hop, il n'y a pas. Ni vu ni connu. Mon fameux frein à main fonctionne. Donc j'ai plus qu'à remettre le cache. Voilà. Ça va assez rapide à monter. À démonter. Voilà, niveau l'icône, le frein à main a été fait. J'espère que ça va aider certaines personnes. Voilà, juste une clé de 13, un tournevis pour enlever le capuchon. Première étape, je vais enlever la musique, ça commence à me saouler au niveau du poste. Hein. Voilà. Donc, enlever le cache. Voilà, monter le frein à main pour retirer le cache. Vous le baissez, excusez-moi. Vous baissez le frein à main, première étape. Vous tirez le cache. Avec les doigts, n'hésitez pas à tirer, ça va venir tout seul. Et ensuite, quand vous avez tiré le cache, vous enlevez ça avec le tournevis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous l'enfoncez, vous regardez le début de la vidéo, vous prenez une clé 13, vous démontez, et quand vous avez fini de dévisser, vous avez juste à le lever, ça vient avec vous, puis vous allez avoir accès au niveau des deux sièges, au niveau du câble de frein à main. Donc voilà, ciao!